Je veux pas la carte. Et boum, les petits amis, nous voilà revenus sur enfin un peu d'action sur cet épilogue nul, chapitre 1. Si l'on refait du Hearthstone, j'aimerais finir ce jeu, je veux le finir. Je veux boucler la boucle. Allez, fonce, fonce. Et salut DFX, CSGO, MG. Off your horses here. On en viendra okay. Tous à vous. RDR, c'est à vous. On en viendra tous à vous. There's our cows. A couple guards out front. A couple more around the side, I imagine. Let's get a closer look. Let's go. Yeah. There's plenty of guards. Je vais me faire un café. Oui, je pense qu'il y a besoin, Philogis, ouais. You head up there and try and give us some cover. Abe, you're gonna try and flank the place and come in from the back. I'll give you a minute or two, then I'm heading in. Yes, sir. Okay. Hey! Hey! Il est mort. Merde, il est là. Oh! Dans la rate. Est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est? Enfin un peu d'action. Pas trop tôt. Alors fouillons, fouillons. Est-ce qu'il est derrière la caisse, là? Et tire! You saved my life. God damn, they're in the barn. Ah, il est là. You okay? Mais pousse-toi! Son pantalon pas de d'elfe qu'a le mec. Bim dans le dos là, ça fait mal ça. Oh. PS4 non Xbox. En bel mouton, hein. I see you, Milton. You're gonna be sorry for what you've done. You're gonna pay, all right. You and your wife. C'est où que ça parle? Talking now, are you? C'est que ça parle? Aïe. Oh, gros bâtard! Shoveling, backwoods, sacka, no good, trash. Je vois rien, c'est tout noir! Et dégaine! Putain, je veux dégainer mon flingue tout simplement. You know that woman of yours got the look of a woman ain't had a real ride in her life. She's gotta make do with some piss poor stinking farmhand. Oh, c'est comme la cover du 1 ça, non? Long as she bathes for. Et ça dégage. Shit. Ouais, on s'en fout, je peux fouiller. Il y a trop de cadavres, ça va être trop chiant.
Alors, ce qui est bien, c'est que mon cheval ressemble vraiment trait pour trait à Oreo. Ça, c'est bien. Ah, enfin un peu d'action. Où va mon cheval? Mon cheval est con comme la pluie, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, Jean-Michel Cadreur. Par contre, on a oublié Jean-Michel Lumière. Salut Selenator 74, salut mec. Mais c'est quoi ces détours qu'il fait mon cheval, s'il te plaît? Vas-y, on va y aller en ligne droite là, parce que c'est dingue. Monsieur est con. Ah ouais, mais il était débile de ouf en fait mon cheval là. Et salut Réo. Non, hop là, trop tôt. Hey, you're back. You did real well. Et ouais mon gars. This man can really fight. Save the whole place. Ah, that weren't nothing. Well, you. C'était rien. Il y avait juste 100 mecs. Ça va. J'ai eu pire que ça. Need to say nothing, sir. Just doing my job. Now, I don't think they'll be back tonight. Mais ils sont tous morts, donc ils vont pas revenir. Just in case you stay up. Yep. See anything or hear anything, you fire that rifle 3 times. 3 times. We'll all come running. We'll do. Well said. And thank you, Mr. Si jamais ils reviennent, tu une vache. Le cri de la vache nous réveillera. Glad to be of service, sir. I understand. You get some rest. Thank you, Mr. Geddes. Oreo. Oh, joli, effectivement. Oh, Oreo. What? Ah ouais, démaquillé. Il y a les défauts du visage qui ressortent. What choice? Ouvre pas la bouche, en fait. Just answer me that. What was I supposed to do? Écoute, maman. Putain, par contre, le gamin, il est dégueulasse ton pyjama, mais tu te fais dessus. Oui, papa. Look, just do one thing or another. Not be two people at once. That's all I'm saying. Ta gueule, Dutch. Vite, quête suivante. Vite, on n'a pas le temps. Spider-Man, Spider-Man. Oh putain, c'est du bleu, vite. Tisse une toile. Ah, je travaille mes génuflexions. Salut chérie. How you getting on? Surviving, I think. Here, I'll get you some coffee. C'est tellement le drama à l'eau de rose. No. Undertakers like me, cattle. Spider cochon. Not so much. That ain't true. Ain't no rancher. Rustled horses, not raised them. Stole cattle, not birthed them. C'est comme si vous preniez Game of Thrones ou Walking Dead, par exemple, et que vous preniez les épisodes qui étaient les plus les moins bien, les plus chiants. Exemple,
épisode de Walking Dead, je crois, saison 3, il me semble, ou saison 4. Bank loans? Je crois que c'est saison 3, hein, où Rick parle avec le gouverneur dans une grange pendant tout un épisode. On en est là. Voilà. C'est-à-dire, ce qu'il y a de pire comme mauvais choix scénaristique pour une série, pour n'importe quel divertissement en fait, même pour un livre ou une notice de jeu, voire même une notice de micro-ondes. Doing better. Milton. Milton, ma'am. Mr. Geddes needs you to head over to Strawberry in the wagon and collect. Okay, bon, bah, c'est pour dire rien du tout. Allez, ça dégage. Come on. Get. You take care now. Of course. Allez, on a pas le temps. It's nice getting out of the house, huh? Moi, je suis la ligne jaune, hein. Moi, je fais comme ce que disait Coluche. I like being in the house, pa. Life ain't just about doing things you like, boy. What happened? Mais il pourrait l'éviter, hein. Il pourrait éviter ces passages chiants. Y a pas de raison de forcer des passages comme ça. À part le meublage, la simple justification de meublage, juste pour faire rajouter du gameplay. Rajouter des heures de jeu comme une série, rajouter des épisodes juste pour tenir les 12 épisodes ou 16. D'une saison, alors qu'avant c'était 24. What do I do? Well, just hold them and pull them short to slow down. Tell them to go faster, give them a little switch. Donc il y a vraiment pas de raison. Mais c'est une arnaque depuis des années. Here. Depuis Lost. Je crois que même les épisodes de la petite maison à la prairie avaient tous quelque part un épisode qui faisait avancer un petit peu en fait. Où il y avait un intérêt, chaque épisode. Je ferai un hors-sujet Red Dead Redemption par rapport à un comparatif avec la petite maison en prairie. That's enough. Même les feux de l'amour. Ouais, non, peut-être pas. Looks like. You know, I think this is the longest I've seen you without a book in your hand. It was foolish to forget mine, sir. Look. I got some business to attend to with the clerk. I leave you with the wagon. C'est où? Can I trust you not to drive off with it? Oh, I think I can be trusted to that. Allez, dépêche, dépêche, mais putain, mais fonce. Ah, tu peux pas aller plus vite, mais je vais te fouetter! Amour, gloire et bleuté. Des mots qui font rêver! All right. Here we are. Récupérer le courrier. Non, mais c'est dingue, non? Sure. Well, cheer up a little. Y'a. Wait here. I won't be long. Okay. And if you behave. I might let you drive us home. C'est, je crois, le seul jeu qui propose des quêtes du genre regarder Stevie en train de monter à cheval, récupérer du courrier, caresser le cheval, dire bonjour à sa femme. Allez faire caca. Jim Milton. Jim Milton. Oh, tu mets trop de temps à faire ton jeu d'acteur, excuse-moi. Here. You take the reins a little. I ain't sure. Come on, son. You'll enjoy it if you try it all right. Je sais que t'as tout donné, parce que voilà, c'était ton moment okay. De... Ok, pa. De buraliste. Yep. Back to Pronghorn, okay? So, wait. We've come all the way out here and we're just gonna turn around and go back? That's what we're mais tourne doing. Mais c'est... Mais tourne. Ou alors c'est un mode auto là? Ah non, c'est lui, ok. Je crois que c'était moi. We're going back, okay, boy? But I've been sitting in this wagon, I don't know how long. J'ai attendu toute la journée. Attends. J'ai passé la cinématique, ça veut dire que le mec a fait un jeu d'acteur pour trouver le courrier d'une journée? I'm your father, okay? I got my reasons, even if I don't care to explain them. Yes, sir. Better. Yeah. Merde, j'aurais voulu tirer sur des feuilles.
Look, if I tell you to speed up, speed up. If I say slow down, you slow down, okay? Sure. All right, speed up. Let's get away from there. Okay. Hi-yah! Wow. Je sens la di... Putain, mais... Faster. Who's this? Sorry, sir. Was that a question for me? No. No, keep driving. Just a bit faster now. T'inquiète pas, va plus vite, il pleut. C'est faut aller plus vite quand il pleut en voiture. Pick up the pace a bit. I think we're going too fast, Pa. Fine. Pull your reins in. Gameplay inutile. C'est comme ça qu'on aime le gameplay. Well, I don't like driving across here. It's the same as any other road. Look where you want to go, and the horse will follow. Okay. C'est comme ça que ça marche? Ha! I think the horse is getting skittish. He'll be all right. Mais il tousse du sang. Il va bien, il va bien. Mais franchement, il arrête pas de lâcher les caisses depuis tout à l'heure. Ça pue. Ah. Ah. Embuscade incoming. Okay. What? What's wrong? Don't look around. Oh, Pa, hey. Those men, are they following us? Just stay calm. See that fallen tree? When we get there, stop the wagon, jump down, and hide. Oh, Pa. Ça. You need to do exactly as I say, boy. Here, now! Come on, quick, down! Okay, son. You wait here. You don't move. Ça, c'est bien, ce passage. Say nothing until I speak to you. On se réveille. Yes, sir. Head down. Vas-y. Et maintenant, suce papa. Okay, quoi? Let's see what you come calling. T'as les deux mecs qui passent. Ils font quoi, ces deux-là? Oh, we just want to have a friendly chat. Are you John Morrison? You sure look like him. I don't know what you're talking about. I'm just here with my son. Did you kill a fella out in Roanoke a few months back? No. Wasn't me. That was my brother. Ah merde, attends. Bon, ben voilà. Ben moi, c'est moi ce que j'aurais fait, c'est que pendant qu'il s'explique en disant « Mais non, mais c'est pas moi, papa !» C'est pas moi. Parce que ce mec a tué mon papa. Pardon ? Ben voilà, maintenant tu as rejoint ton petit frère. It's okay. You're okay. What? Why? What? It's okay. It's okay. Come on. Keep them eyes closed. Let's go. Oh, il en a vu d'autres. Come on. Get up. Allez. Très bien, on s'est réveillé, mais on peut se rendormir. Oh dear, those men. Oh dear. Are they dead? I didn't have much of a choice. You saw that. Now, compose yourself. J'avais pas le choix, il me parlait. Son, je pouvais que les buter. Mais fonce, mais c'est incroyable. Can we get home quicker, please? Oui, oui. Real brave. Je valide. Je suis d'accord. On va plus vite. If you hadn't listened. Ah, j'appuie sur le bouton, mais il se passe rien. Prends ton inhalateur.
Tiens, regarde, souffle dans ce tuyau. GG le cheval. Mais fonce, mais c'est incroyable. Putain, mais ce cheval bourré, mais... Ah, j'ai pas de complicité avec ce cheval, hein, pas du tout. Avance! Mais avance, putain de cheval! Mais avance! J'ai glissé! Je m'en fous! Tu avances! Tiens, ce jeu me fatigue, ça me fait dire vraiment des conneries, plus faire des conneries. Ah, Loa! Ah, on t'avait perdu pendant un moment, j'espère que tu t'es pas endormi, parce que c'est vrai que... Là, il y a eu un passage, là, la première heure, Que c'était chiant, bordel. Moi-même, enfin, je veux dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, je devais me passer de la flotte sur la gueule. Tellement ça me faisait chier. Mais avance, mais putain de cheval, mais je... Putain, je vais le buter. Attends, je m'occupe du cheval, je vais le stranguler. Allez, la cinématique du bisou à la maman, on s'en fout. Le cri... Mais non, mais... Hey, Mr. Jim? Mr. Jim? Ta gueule! What do you think you want? Prenez le télégramme. Après la quête de aller chercher le courrier, prenez le télégramme. Mais cours plus vite! Mais c'est quoi ce... Ah, mais je n'en peux plus! Mais c'est incroyable, mais je ne suis qu'au début, je suis qu'au chapitre 1 de cet épilogue. Je voudrais tuer quelqu'un. Excuse me, mister. I'm Jim Milton. Enfourché. Have you had a telegram for me? Yes, here. Ta gueule. Watch it. Pousse-toi. Spider-Man. Tu vas te pendre avec cette quête. Non, c'est vrai. Oh là là. Oh là là. Chérie, donne-moi un flingue. Qu'elle est pas là. Elle est en train de se faire bourrer. Ok. Retournez travailler. Non. Salut à moi, Cheater69. Non! Je... Ajuster la clôture! Non! Prenez le piqué! J'ai pas envie! Oh, mais sérieux, mais putain, mais je crois qu'il y a des vraies larmes qui sont en train de couler de mes yeux, là. Va bosser. Et je gagne même pas d'argent. Je veux dire, je suis en train de faire un jeu qui est du travail et je ne gagne même pas ma vie. Ah. Allez à la maison. Disco Marston. Passé. Du coup, je n'ai rien suivi. De toute façon, je pense que c'était super chiant. On va faire du bénévolat. Mais au moins, on a un costume.
ça dit? Hein? 27 Atherton. Attends, c'est ça dit? Oh oui! Ça dit! Vite! Sur 20. Même pas métro en plus. Oh mon Dieu. Putain, mais c'est la chanson du de la vie normale quoi. Ça dit, sors-moi de cette tourmente. Prochain jeu Mass Effect. Mais Mass Effect était pas chiant comparé à ça. Putain, pour l'instant, ça fait 2 heures que j'ai un gameplay de appuyer sur le bouton A, quoi. C'est incroyable. Ok, merci. Ils ont coupé Jean-Michel chanteur. La mission est terminée, le cri d'une mère. Elle est bouche à bouche. Allez, tiens, de la poudre de fée. Tout va bien, oh là là. On a vu d'autres. Allez, prends une pomme. Ah là, ça va déjà mieux, là. Pas de soucis. Si, bah si, regarde, là. Ouch. Et où? Je suis allé vivant. Il est vivant. Allez, fais le tour. Ça dit. Ah ouais, non mais là je suis à un moment donné, quoi, c'est ligne droite, quoi, là c'est même pas mal, oui j'avoue. Ah, là il y a eu rupture d'anévrisme, là c'était pas possible. Traume. Qui a mis une falaise là? Rien senti. Merde, ça dit! Ah, ils ont mis trop de cailloux là. Eh, tu peux le faire. Ah zut, putain, je voulais juste rejoindre la route moi. Ok, tout va bien, tout va bien! C'est bon, on a rejoint la route! Ça te gratte? Oh, je vais l'étudier. Bon, il me faut un cheval. Moi j'ai mis la quoi? Moi j'ai mis la falaise. Tu conduis comme ça. Regarde, putain, mais il quoi? Mais regardez cette allure de course. Je suis un cow-boy de cartoon, vous savez. Tin 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 tin. Oh, mais cette allure. Allez, ça dégage. Hey. Donne-moi ton cheval, voilà. Allez, pas le temps.
Dégage de ma route. Arthur Morgan était un enfant de cœur à côté de moi. Ouais, dès que ce cheval est fatigué, je change de cheval. Oh mon Dieu, un élan. J'ai failli prendre mon élan. Ça dit. Forgive me. Regarde-moi. Qu'est-ce qui a tué une pomme? Ah merde, j'ai plus rien. C'est dû. Et pourquoi tu t'arrêtes? On peut le faire là. T'as dû, ce serait aller plus vite avec ton élan. Oh ça va, il y avait un petit saut de rien du tout. Oh là là, mais ce cheval, il est pas fun. Ah merde, faut que je saute. Ah zut, y a pas de pont là. Merde, faut que je descende. Bon, vue cinématique, voilà, comme ça il va prendre le chemin automatiquement. Oh non. Allez, cheval de merde, s'il te plaît. Ah oui, le cadreur dans les buissons. Il se tarde, non? Quoi? Il se fait tard, c'est ça que tu veux dire? On va y aller, je pense, hein. C'est les viewers se barrent. Bon, ben, il se fait tard. Il se fait déjà 17h, non? Je vais me rentrer. En tout cas, c'était une super soirée. Oui, pardon. Il n'empêche que pour l'instant, la fin est nulle. La fin est nulle. C'est même pas que c'est moyen, c'est que c'est nul. C'est incroyable. Que ce soit la mort d'Arthur Morgan plus ce qui se passe avec John Marston, enfin moi je veux dire, ça me donne pas envie de faire des RDR1, quoi. Il ne m'intéresse pas. Bon, où est Sadie? Ah, poussez-vous, là. J'ai besoin de place pour marcher. I thought I told you to leave it, Bubba. I thought to myself who this little girl thinks she's telling anything to. Enjoy your drink. Oh, elle a trop le style. I ain't got no business with you right now. Je suis claqué, moi. je me doute, je suis désolé. Leave me alone. Or what? Ah là là. Get the hell out of here before she kills us all. You get out of here. Arthur. Putain, on dirait Arthur, hein. Good to see you. I thought I heard a rumor you was alive. Jim, comment va ton cancer, Sadie? Guess I didn't do a real good job of hiding my identity. We didn't hear nothing about you. You killed Feller up by Roanoke? Sure did. I thought that sounded like you and Abigail and Jack. Putain, cette voix cassée de clubeuse journalière quotidienne. I'm looking to buy some property. Beecher's Hope, west of Blackwater. I'm kind of Je veux dire, généralement, quand t'as une nana qui a une voix comme ça, dans la vraie vie, je parle, hein.
c'est que la meuf ne fait que des soirées. C'est son activité, mais c'est son hobby, c'est de faire des soirées, d'aller en boîte de nuit et de gueuler en permanence. Pourquoi tu streames pas la journée de nous? Ah oui. Alors mais tu sais quoi, je pense qu'à un moment donné, je vais peut-être finir par streamer, mais au moins le matin, peut-être, à l'arrière. Rob a bank. With a gun? No, with a pan. Peut-être. He's an accountant, I think. Sounds easy. Come on, we got a bit. Par contre, ton cheval, c'est fait dépecer là. Your telegram. You said you had something to discuss. Toi, ça dit, mais je peux toucher le cul du cheval. There's something else. Où elle avale pas. What? Micah. I think so. Mais, quand elle avale, à chaque fois, elle se met un morceau de glaire en plus, parce qu'elle a un glaire qui est permanent, en fait, tout le temps dans la gorge. Je veux dire, il est là, quoi. Il est un... avec une voix comme ça. I didn't think I'd see any of you again after you left for the Yukon. Now we came back. Didn't strike it rich, as you can see. But you're a rancher now. Non mais c'est vrai que franchement les nanas qui ont la voix cassée comme ça, c'est des nanas qui gueulent tout le temps, enfin qui passent leur temps à gueuler, et du coup ça veut dire beaucoup de soirées et très alcoolisées. Donc déjà elle vieillit à la vitesse de la lumière. À 20 ans elle a des, on dirait qu'elle en a 30, et à 30 on dirait qu'elle en a 50. Et j'en connais. Et c'est la tristesse. Donc un message pour vous les filles. Bon, les mecs on s'en fout, parce que plus on a l'air vieux, plus on a l'air beau gosse. Mais un message pour vous les filles, s'il vous plaît, arrêtez vos conneries de voir en l'alcool comme la solution à l'amusement, alors que pas du tout. Et ça vous fait vieillir trop tôt. Des femmes normales au Québec, quoi. Oui. Ça vous fait vivre de partout. Et après, elles se plaignent. Oh, j'ai des rides et tout. Il me faut une des crèmes. Mais non, les crèmes ne font rien. Juste arrête de boire, c'est tout. T'as juste besoin de faire ça. Ok. Oh merde, faut poser des questions. Mais putain, mais. Mais c'est dingue, je peux pas avoir un gameplay cool. Ah, je peux la buter. Oui. Les femmes qui ne font jamais rien, c'est chiant. Non mais le truc, c'est que du coup, elles pourraient faire des choses plus intéressantes. All right. See what you can find. Like I said. Feller's name is Nathan. Même les mecs, faut qu'ils arrêtent de... Oui, bien sûr. Okay. Mais c'est un autre objectif, en fait. C'est juste pour que les mecs arrêtent d'être cons. You seen a bald New Yorker name of Nathan Kirk? Je voudrais passer cette quête, s'il vous plaît. Je voudrais tuer des gens. Et je voudrais juste qu'on avance dans l'histoire. Oh, mais je m'en fous. Mais chut. Je voudrais partir. Good lord. Bureau de poste. Est-ce que t'as vu quelqu'un? Excuse me, friend. I'm looking for a Nathan Kirk, fellow from New York. Non, c'est impossible de pas être alcoolo, tu te fais chier. Kirk? Là, on arrive au vrai sujet. Kirk. Mais no, tu as raison. Hein. Not so as I would remember. Curly, I think. Oh, she's a woman. Ask in the welcome center. Most tourists check in there. Okay, thank you. Vite, 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 vite. Dis-moi des trucs. There you are.
You seen a fella? Fella from New York? Bald guy? Yeah. Ça me dérange pas que... Ah non, c'est un hôtel. Ok, j'ai cru que c'était chez lui. C'est le mec, il est sur son canapé. Enfin, en tout cas, sur son siège nazi. Sort of. His name's Nathan Kirk. Mr. Kirk. But he's so charming. Le capitaine. He's up in room 3. Où est Scotty? I'm gonna go pay him a visit. It's government business. How exciting. Comme c'est excitant, merci. Ouh la vache, mais c'est magnifique. Putain, mais moi je vais y aller en vacances. Putain, mais vous êtes expert en taxidermie, c'est incroyable. Et en bump mapping. Et en texture. Salut Vilgo Togi. Carte de paquet de cigarettes. Attends, ah merde, les paquets sont revenus. 1 sur 12. Ah, 2 sur 12, putain, mais c'est mon premier qui passe à 2. Je suis à la fin. Je suis fermé. Mr. Kirk. Mr. Kirk, you in there? Oh, on vous attend sur la passerelle. C'est juste un... Stop! Hey! That's Nathan Kirk! Oh! Got him! Mais ça dit, mais t'es conne! Come on, jump on! Ah. Boy! We gotta get after him! Bah oui, bah vas-y, mais putain, mais... I know! Ça dit, montre-moi tes seins et dis rien. Oula. Stay on it. I'll catch up with you. Where are you going? Shit. Lopa, lopa, woman chinalia. Oh là, mais il va vite. Leave me alone. Wow, putain des ronces. Rossier. Ah, c'est le début de la déforestation ici. Je pourrais tirer sur son cheval, remarque. Merde, j'ai loupé. Oh, putain de mouton. Il va trop vite. We don't get paid if he gets killed, John. Leave me alone. Non mais je peux buter son cheval. Ah, je vais tirer dans le pied ou quoi? What is wrong with you, Chris? Lucky shot. God damn it. Mr. Kirk. Enfonce-moi cette Mr. porte Kirk, de tuer. Who is it? That's Nathan Kirk. Mais pourquoi ça dit... Ah, d'accord, en fait, il est tombé. Attends, est-ce que je peux sauter sur mon cheval directement? Oh oui. Oh, ça... J'ai l'écho qui m'est remonté jusque dans le dans la bouche. T'es excellent. T'es mauvais. Bah je l'ai arrêté son cheval. Merde. We don't get paid if he gets
T'inquiète, ça dit, et chute. Where are you going? Shit. Allez, sapin, on s'en fout. Attends, j'avais pas un fusil. Va le refaire en plus. Mais pauvre con, mais... Il s'est enfui, j'avais encore la vue. Putain de cailloux, les cailloux sont mes ennemis. Ouais, je fends la poire. Mr. Kirk! Mr. Kirk, you in there? Who is it? Stop! Hey! That's Nathan Kirk! Go! Oh. Got him? Oh, shut up! Come on, jump on! We gotta get after him! Et si je reprends le fusil? We want him alive, though! I know! Putain de cheval qui est trop lent! We don't get paid if he gets killed, John! Stay on it! I'll catch up with you! Where did you go? Merde! Putain de rocher! Mr. Kirk! Mr. Kirk, you in there? Capitaine, son cheval le tue. Ouais, ça va, quoi je veux dire. Just a friend. Ça veut pas le tuer comme ça non plus. That's Nathan Kirk. Putain de logique de merde. Got him? Oh, shut up. Come on, jump on. C'est la manière de tomber. Je suis obligé d'être le torse en premier sur mon cheval. Ouais, bah y'a que de l'assaut, ouais, c'est chiant. Parce que du coup, mon cheval est trop lent. Oh, ça dit, mais zut, je joue là. Laisse-moi jouer. Pourquoi il ralentit? Parce qu'il y a une pierre. Je lui coupe la route là. Là, je te tiens, fils de chien. Attends, tu veux mon pouce dans ton anus? Thanks for that, Mr. Kirk. Real fun. I'm an innocent man, but. Putain, j'ai tellement lâché ton corps sur une voie de rail. Is a desperate woman. La quatrième fois. Are you married, sir? None of your business what I am. She made me do it. She broke me. I did. Mais c'est parce que je suis un chercheur, Philogis. Tu vois, moi, je teste des trucs. Je teste les limites d'un jeu vidéo. I ain't been paid yet. Hold on to it for me. Je teste les bugs. Back over in Blackwater.
get a loan for the property. Might make them happy to see I've got a boss. So I've got a couple of other leads I could use your help with if you're interested. I'm usually at the saloon in Blackwater. I need money pretty bad, so... Ah, oh, génial de traverser son cheval, c'est trop bien. Et c'est tout ? Non ! C'était qu'une quête secondaire ! Non, je me suis fait avoir ! Ah, Blackwater. Ah, mais j'y suis jamais allé à Blackwater. À chaque fois, c'était impossible. Bien. T'as déjà que l'intérêt de la chasse et de la chasse des animaux et tout ça, et le fait de se nourrir et de dormir n'était pas vraiment très poussé dans le jeu. Enfin, je veux dire. Clairement, je ne me nourris jamais, je ne vais jamais dormir quasiment, et je peux bourrer le jeu, donc c'est dommage ça d'ailleurs. Qu'ils aient pas vraiment plus accentué l'impact sur le fait de pas dormir, sur le fait de ne pas se nourrir. Ça clairement, depuis le début du jeu, je m'en fous en fait. J'appuie sur le bouton. Ah, j'adore ce bouton. Je pense qu'ils auraient dû faire une manette spéciale RDR avec juste un gros bouton. Ah. Il n'y a que ça. J'ai pas le temps de jouer avec vous là, aux cowboys aux indiens. J'ai pas le temps. Putain, mais j'ai pas le temps. Oh, 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 oh. Mais vous êtes pas des indiens. Vous êtes des tricheurs. Ah merde, je peux le réanimer. Bon bah il me faut un autre cheval. Est-ce qu'il y a un cheval dans le coin là? Regarde, il s'est barré. Y'a pas un passant là? Zut, ils me font perdre du temps. Monsieur, s'il vous plaît. Salut Jérémy Roger, ça va et toi? Mais je m'amuse. Je suis en train de m'amuser, ça se voit pas? Ah, il y a une diligence qui arrive. Des niveaux.
Zut, mais du coup ils ont pas de sel. Zut alors. C'est lui, X Arlequin. Ah, c'est une autre diligence, ok. Voilà, je t'ai guéri de ton cancer. J'ai visé les poumons. Tiens, tes outils, je te respecte pas. Zut, c'est fermé. Pardon, madame. Tiens, tiens. Là. Un problème? Looking for a fight? I'm J'ai plein de balles. Vous êtes baisé. Je ne te vois pas. Il est trop bien camouflé. Ce mec est invulnérable. Il a la technique du des fagots de bois. Je ne la connaissais pas. La fameuse technique des fagots. Oh, bah ça va, j'ai perdu qu'un petit dollar. Pas éliminer discrètement là. C'était pas ça. C'était une blague, voilà, tout va bien. Go before I change my mind. Now. All right, let's do it. Oh putain, mais tu costaud, espèce d'Irlandais. Buveur de Guinness, va. Ouf. You're done. Ah, j'ai tué personne. Ah. Apparemment, un petit problème de menstruation dans le coin. Nothing to see here. We're handling it now. Qu'est-ce que nous avons là?
je suis obligé de sortir un petit peu de la zone, sinon la recherche ne s'arrêtera pas. D'où tu m'as vu, toi? Zut. Faut que je me planque. Voilà. Ah, pas dans mon dos, non. Une ombre parmi les ombres. Oh putain, je suis carrément mais explosé sa tête. Attends, faut que j'aille voir ça. Mais le mec n'a plus de tête. Oh, mais c'est dégueulasse. Je suis tellement mis de pruneaux. Il reste encore quelques flics. Oh, salut Spitfire. De substance. Putain, mais cette manette, mais c'est incroyable. Les autres. Putain de manette. C'était un zombie maintenant, le mec, c'était un zombie. Ah, ils sont interminables, hein. Il y en a tout le temps en fait. Bah, je vous attends. Moi, je suis chaud. Ça fait mal, ça. Au plan stylé. Million.
bah c'est good. Ah, il y en a encore. Mais non, vous allez pas me perdre. C'est doux, Black. Je suis très doux. Je sais pas ce qui te fait dire ça. Aïe, aïe, aïe. Non, mais les mecs, corps à corps. Bon. Près de 600 000 en prime, ça va? Non, 650 dollars. 600 000. Que s'est-il passé? Un cauchemar? Un mauvais rêve? Ou alors tout simplement des désirs? Un homme? Un revolver? Une envie de tirer? Alors? Club sur club. I hope God never see that feller again. Ah, j'ai tellement envie de tous les buter là encore. You had to come back after all the misery you caused. Qu'est-ce qu'il fait, perso? Pousse-toi. Excuse me, sir. Can I help well, you? Well, well. I see our share of bad luck just showed up. Those days are behind me. Ouais, du coup, je dois aller où, là? Je te parais à ce mec, non? Can I help you? I hope so. I want a loan, sir. Oh là là, mais putain. A lot of credit. So I can buy some property. La quête de faire un prêt, quoi. I want a loan, a credit, because I want to buy a car. Ou au moins j'ai un cheval. Il faut que j'aille où là? Ok, on s'est juste à côté, tout va bien. Voilà. Il y avait un petit chien qui attendait la mort. Oh, c'est magnifique. Mais au-delà de la beauté, ça ne peut pas excuser la chiantise d'un scénar. Thank you.
même les loups ont peur de moi. Ah, mais je pensais que c'était à côté là. Toujours un caillou qui se retrouve devant moi. C'est chiant. J'ai vraiment plus de vie. Can I help you, friend? Oui. I hope so. Who's in charge here? Le pauvre loup. No one, mister. This is a free country. Now that I ain't so sure. Je veux te tuer. Listen. Ah, il y en a deux. I'm buying this land. Mais, bonjour les garçons. Afraid you guys are gonna have to go somewhere else. Who's this? I ain't sure. Some fancy Dane city boy says he owns this land. Or he's gonna. Ah, ils sont trois. That's what he says. Salut, les garçons. How come we living here? Apparemment, vous vous amusez bien ici, mais c'est terminé de vous bourrer l'anus sur ma propriété. Putain, avec ta tête de... Non mais je voulais looter. Mais passez là, mais passez, mais... Ah. Il y a des talons hauts, c'est moi. I'm ready, Marston. Come on. Ouais, tu te fous de ma gueule. God damn it. Ouais, pousse-toi. Hey. Oui, ta gueule. Bon, j'espère que c'est pas à l'autre bout de la planète. Where are we headed? West. Ok, ça va. Non, on retourne à l'endroit. C'est génial, je refais le même chemin. Mais putain! I can see we're headed west. You know, speaking in monosyllables don't make you seem interesting. It makes you seem stupid. C'est incroyable. I don't care. Je refais exactement le même chemin que ce que je viens de faire à l'instant. Donne-moi mon chapeau. This ranch, I... A ranch I bought just now. Is that what you were doing in the bank? Spending all your money? Pousse-toi, là. I want a ranch in the armpit of West Elizabeth. Oh, my lord. Not that that's any of your concern, but... C'est moi qui... Mais c'est moi qui gagne. Well, that's even worse. Yeah, you can run from a bounty, John. You can't run from a bank. Is Abigail there? No. Ah, on ne peut pas fuir une banque. Et oui, c'est un peu comme aujourd'hui, hein. Ça n'a pas trop changé, tout ça, tu sais. Par contre, la banque peut nous fuir. Ça, y a pas de problème. Mais avance plus vite. Avance plus... Rapproche-toi de la maison. Putain, j'ai l'impression de finir ce jeu dans la souffrance, quoi. Tout me fait chier sur ce jeu, mais c'est incroyable, je veux juste le finir. Partie 2. Bon, j'espère qu'il n'y a que deux chapitres, en fait. Ah. Remettez-moi Dodge, là, s'il vous plaît. Des péripéties, s'il vous plaît. Mais clairement, Goltika, je suis en train de crever. Ce jeu est en train de me buter.
Ok, donc voilà, chapitre 2, fin de l'épisode, bisous, suite au prochain coup. Cette fin d'épisode triste. À l'image de cette gueule de naze.